Ok, on va voir un problème d'empilement de sphères inspiré par le problème d'agrégation interne 2016, qui est intéressant en soi, on va dire. On va parler des empilements de sphères, qui sont en fait, maintenant quand on va parler de sphères, quand on dit empilement de sphères, en fait on pense boule. Dans la théorie des empilements de sphères, en fait on empile des boules. Bon, c'est comme ça. C'est une question de terminologie. On va travailler sur l'espace vectoriel Rn, muni de son produit scalaire canonique. Et on a la proposition suivante, hein. On va prendre une boule de centre X, une boule fermée, hein, de centre X et de rayon 1, de centre X' et de rayon 1. Et ben, elles sont disjointes si et seulement si X moins X' est de norme strictement supérieure à 2. Et quand on a l'égalité, ben, elles se coupent en un point unique. Donc en gros, hein, en regardant ces petites boules, bon, qui ne ressemblent pas tellement à des boules. Hey mon ami, t'aimes se manger des pétards? Mais c'est pas grave, tout se passe dans la tête, hein, en maths. Ici, on a le cas strictement supérieur à 2, hein, où elles sont disjointes, égal à 2, où elles vont être tangentes en un point unique, vous voyez, le point unique. Et ici, elles sont censées être de même diamètre, hein, donc ici, et ici strictement inférieur à 2. Alors, comment on montre ça? En fait, pour l'empilement de sphères, ça va nous servir dans la suite parce qu'on va essayer de stocker des sphères. Alors, on ne stocke pas des sphères dans un enclos, on les stocke dans le plan ou dans l'espace euclidien. Hein. Ça va être ça. Bon, alors, on y va. Pour déjà cette proposition. D'abord, l'implication. On suppose qu'elles sont disjointes. Alors, et on veut montrer que la norme de x moins x' est strictement supérieure à 2. Bon, ben on fait par la contrapposée. On suppose que c'est inférieur ou égal à 2. Alors, vous voyez hein, que dans ce cas-là, ben, il y a toujours le milieu des centres, d'accord, qui va être dans l'intersection. Alors, on va dire que x moins x plus x' sur 2, en norme, est égal à la norme, ben, on calcule, x moins x' sur 2. Et comme x moins x' est inférieur à 2, par hypothèse, ici, ça va être inférieur à 1. Donc, ça va bien être dans la boule ici. Et de la même manière, par symétrie, ça va être dans cette boule-là, donc dans l'intersection. Voilà. Maintenant, l'implication inverse, encore par la contraposée, on va supposer qu'elles ne sont pas disjointes et on va montrer que x moins x' est inférieur à 2 en norme. Donc si Z est bien dans l'intersection, alors ben, on va utiliser la fameuse inégalité triangulaire, parce que x moins x' est égal en norme à x moins z, la norme de x moins z plus z moins x'. Je n'ai fait que enlever z et ajouter z. Et donc j'utilise l'inégalité triangulaire ici. Et comme z est dans l'intersection, ça c'est inférieur à 1, c'est inférieur à 1, donc ça va être inférieur à 2. Voilà. Maintenant, le cas d'égalité où on a un point unique, je pense que vous avez compris que on va se servir du cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire. Donc on suppose x moins x' égale 2. Donc on va montrer que c'est le milieu des deux qui va être l'unique point. Bah, d'abord, il est bien dedans, hein, parce que on a montré ici, d'accord, que le milieu des deux était là inférieur à 1, mais maintenant x moins x' est de norme 2, donc on va avoir égal 1. Donc l'égalité pour x et l'égalité ici pour x' égale 1 prouvent qu'on est bien dans la boule fermée ici et dans la boule fermée ici, donc on a au moins un point d'intersection, mais ça on le savait déjà, mais voilà. Mais l'unicité va venir du cas d'égalité. Donc, on va supposer qu'on a un point Z dans l'intersection. Donc, ça veut dire que la norme ici est inférieure à 1. Donc, maintenant, je calcule x moins x', qui est égal à 2 ici. C'est inférieur à x moins z plus norme de z moins x'. D'accord? Mais ça, c'est inférieur à 1 par hypothèse. Ça, c'est inférieur à 1. Donc, c'est inférieur à 2. Comme on a 2 là, 2 là, on a des égalités partout. Ce qui veut dire, entre autres,
que ici on va avoir égal 1, ici on va avoir égal 1, et ça on va avoir l'égalité. Comme on a le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire, bah, ça veut dire que bah, z moins x' est positivement proportionnel à x moins z. Donc ici, positivement proportionnel, donc c'est-à-dire z moins x' est égal à lambda x moins z avec lambda positif. Mais comme ils ont même norme, c'est-à-dire 1 ici, puisqu'on vient de prouver que bon, c'était inférieur à 1 a priori, mais a posteriori, on a l'égalité d'après ce qu'on vient de voir, eh bien lambda est forcément de norme 1, et comme lambda est positif, lambda est égal à 1. Comme lambda est égal à 1, on résout cette équation en z et on obtient tout de suite, immédiatement, que z égale x plus x' sur 2. Donc on a bien l'unicité. Voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors voilà maintenant le problème. Le problème c'est empilement de sphères. Vous pouvez regarder si vous avez sur internet sphere packing. En fait, les sphères ne sont pas des sphères. Dans ce monde-là, la terminologie est bizarre, c'est-à-dire que les sphères sont en fait des boules. On veut remplir l'espace Rn de boules de rayon 1, donc Rn pour sa norme pliée naturelle, en optimisant la densité des boules. Donc il faut en mettre le plus possible. D'accord? On a une espèce de notion de densité de boules, c'est-à-dire qu'on va prendre une grande boule de centre 0 et de rayon grand R. D'accord? On va regarder le nombre de boules qui sont de boules de rayon 1 qui sont à l'intérieur, quand on a fait notre paquetage là. Et on va regarder quel est le volume occupé par les boules de rayon 1 divisé par le volume de la boule de rayon R, et on fait tendre R vers l'infini, ça va nous donner une densité qu'on veut optimiser. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe quand on fait son sac à dos, quand on met son sac, ses sacs dans le coffre de la voiture, etc., etc. Bon, donc c'est de l'optimisation et essayer de mettre des maths dedans. Alors, le premier truc, c'est de commencer avec n égale 1. Et oui, il faut commencer petit, c'est toujours bien de commencer petit. Qu'est-ce que c'est que la boule? La boule, bon, qui s'appelle sphère dans un autre monde, mais on appellera ça boule ou sphère, bon, vous comprendrez. La boule de rayon 1, c'est juste un intervalle de, avec un centre, qui est le milieu du segment, ici c'est un segment, et qui est de longueur 1. Donc on veut remplir R avec, c'est simple, on met notre segment, on met notre segment, et puis ici, voilà, on colle les segments, les uns par rapport, enfin, en suivant l'ordre de R. Bon, les centres des boules vont se retrouver à construire un réseau, qui est le réseau connu, c'est Z, hein. Ici par exemple, vous pouvez centrer votre première boule en 0, et là vous aurez moins 1,5 plus 1,5, et donc ici, le centre des boules va être identifié à Z, hein, qui est dans R. Voilà. Et la densité, bah, la densité, elle ne peut pas être améliorée, hein, c'est 1. D'accord? Voilà. Maintenant, attaquons le cas n égale 2. N égale 2, bah, je vais commencer par faire quelque chose de faux. Et on verra plus tard que c'est pas si bête. Je vais partir d'un réseau, du réseau Z2, c'est-à-dire les points ici de Z2 dans le repère orthonormé R2. D'accord? Donc je pars de ces points et j'ai une intuition, c'est que je vais optimiser la densité en centrant toutes mes boules sur le réseau, sur un réseau. Déjà sur un réseau, pas forcément ce réseau-là, mais sur un réseau. C'est l'harmonie du réseau qui va nous donner l'optimisation. C'est pas évident. On pourrait imaginer que là, d'un côté, alors ici, sur 1, pour n égale 1, c'était évident, mais pour n différent de 1, pour n égale 2, c'est pas du tout évident. C'était démontré, hein, au 19e siècle, mais la preuve est quand même longue et besogneuse. Ici, on va donc avoir un réseau, c'est-à-dire un sous-groupe engendré par deux vecteurs, et après vous créez tous vos points à partir de ces deux vecteurs.
Voilà. Alors, quelle est la densité de ce que j'ai créé là? Bah, mon premier vecteur ici, vous voyez, comme c'est une boule de rayon 1, c'est 2, 0, et là, c'est 0, 2. D'accord? Donc, vous savez que la surface du carré, ça va être 4. Et vous savez que ici, vous avez inscrit votre disque dans le carré, et là, son rayon étant 1, c'est pi r2, donc pi 1 au carré. Donc la densité du réseau est pi sur 4. Quand on fait un calcul de pi sur 4, une approximation, c'est 0,785. Ça veut dire qu'on a environ 0,215 de perte, hein, d'accord, dans l'espace qu'on veut occuper. Bon, voilà. Entre parenthèses, autour d'une boule, regardez, j'ai un joli carré et on reviendra dessus. Maintenant, je suis toujours dans le Kn égale 2, mais je trouve que c'est dommage toute cette place, tout cet espace perdu. Donc, bah, les abeilles y ont pensé avec nous quand elles ont fait les ruches, il faut occuper l'espace qui est ici. Et donc, je vais l'occuper en mettant en quinconce mes disques. Donc ici, je mets mes disques selon le réseau Z. Et là, je vais mettre le même réseau Z ici, mais en quinconce par rapport au réseau Z ici. Ce qui me donne un réseau Z2. Ici, comme j'ai compilé au maximum, tout se touche. Donc, vous voyez, d'après la proposition de tout à l'heure, les centres des boules sont de distance 2, quand les boules qui se touchent, hein. Donc, les centres sont de distance 2, ici. Et donc, j'ai ici un triangle équilatéral. D'accord? Ça et ça fait distance 2, là, c'est distance 2, là, c'est distance 2, parce que tout se touche. Voilà. Et bien, maintenant, je peux calculer la densité aussi. Alors, la densité, c'est toujours pareil. On dit qu'il y a un disque par sommet du réseau. Et il y a en moyenne une maille, ce que j'appelle une maille, d'accord? C'était ce parallélogramme, d'accord? Par sommet aussi du réseau dans R2. D'accord? La densité, je dis que c'est la surface de mon disque divisée par la surface de ma maille, puisque il y en a en moyenne, il y a en moyenne un sommet par disque et un sommet par maille. Voilà. Donc, je fais le calcul et le calcul me donne D égale. Alors, quelle est la taille de ma maille? Donc là ici, je calcule la surface. La surface, c'est les formes volume, hein, ça se fait avec le déterminant. Ici, ce vecteur-là, hein, j'ai pris 0 ici, j'ai centré en 0 ici, c'est 2, 0, d'accord? Comme ici. Et là, par contre, ça change, c'est 1 demi, hein, racine de 3. Alors, 1 demi, c'est normal, hein, d'accord? Vous voyez, puisqu'on a un triangle équilatéral là, hein, et racine de 3, ben, c'est normal. Parce qu'on a un triangle équilatéral aussi, et parce que faut que ça, ce soit de norme 2. Donc ici, voilà, hein, positivement, il n'y a que racine de 3 qui nous donne un vecteur de norme 2. Donc ici, je prends le déterminant, et là, ça fait 2 racine de 3. Voilà. Donc il faut que je divise pi r2, donc pi 1 au carré, par 2 racine de 3 pour avoir la densité. Et là, j'y gagne beaucoup, j'ai pi sur 2 racine de 3, et ça fait à peu près 0,906. Donc il a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie au 19e siècle pour que les mathématiciens prouvent ce résultat, que c'est optimal, non seulement pour les disques centrés sur des réseaux, mais pour des disques qui sont empilés tout court. Voilà. Maintenant, je vais attaquer la dimension 3. Je vais partir, lui il a perdu contre lui. Hein, vous voyez, il a quand même perdu à plate couture. Donc, je vais partir de cette position-là, d'accord? De la même manière que là, j'étais parti de cette position-là. Donc, je vais réfléchir à ce que j'ai fait pour passer de n égale 1 à n égale 2. Et peut-être que ça va m'aider à passer de n égale 2 à n égale 3. Pour passer de n égale 1 à n égale 2, regardez,
J'ai ici pris, quelque sorte, j'ai remplacé d'abord mes boules de dimension 1 par des boules de dimension 2. Voilà, comme ça. Et ensuite, je me suis mis en quinconce, c'est-à-dire que j'ai créé un triangle équilatéral. D'après la proposition de tout à l'heure, on sait que les distances, si on veut les coller, il faut que ce soit 2, absolument. Et là, je crée mes boules ici. Voilà. OK? Bon, donc je crée un triangle équilatéral. Maintenant, je veux continuer. Ben, comment je continue? Ben, ici, j'ai pris le milieu de ces deux points. Pour créer mon triangle équilatéral, je monte ici jusqu'à ce que je sois à la bonne distance pour avoir un triangle équilatéral. Ben là, je vais créer ce qu'on appelle un tétraèdre régulier. C'est-à-dire que je pars maintenant de mon triangle équilatéral, je veux monter en hauteur, d'accord? Maintenant, il faut imaginer que ces disques-là sont maintenant des oranges, hein, donc des vraies sphères. Donc ici, on a des oranges qu'on a placées comme ça. Et ici, nos centres d'oranges sur le niveau 1 forment un triangle équilatéral. Et maintenant, je vais créer un tétraèdre régulier ici, à partir de là. Et donc, ça veut dire que mon tétraèdre régulier, il est pointé, il est au-dessus, vertical, au-dessus de mon barycentre, isobarycentre de ces trois points. Alors, comment je calcule l'isobarycentre de ces trois points? Donc, je prends mes trois points. Donc, je prends 2, 0, 1, racine de 3, et 0, 0. Ça, c'est ce point-là. Et maintenant, bah, je vais rajouter une dimension. Mais là, pour l'instant, eux, ils sont à hauteur nulle. Donc, je mets 0 ici. Et maintenant, je vais créer un point en prenant l'isobarycentre. Donc, je fais 0 plus 2 plus 1 sur 3. Hein, d'accord? Je prends la moyenne. Donc, ça fait 1. 0 plus 0 plus racine de 3 sur 3. Ça fait racine de 3 sur 3. Mais là, maintenant, la distance, elle est de x. C'est comme quand on cherche la distance pour créer ici notre triangle équilatéral. Eh bien, elle est de x. Mais je sais que la norme doit être 2. Donc, la norme au carré doit être 4. Ça fait 1 au carré plus racine de 3 sur 3 au carré plus le x que je cherche ici au carré doit être égal à 4. Et je vois, c'est facile de résoudre ça et de voir que x est égal à 2 racine de 2 sur racine de 3. Voilà. Donc, ça fait que notre réseau, il est engendré par ça. Donc, vous imaginez ces trois vecteurs, d'accord? Ils engendrent un espèce de parallélotope, d'accord? Donc, il faut connaître le volume. Et maintenant, je vais calculer la densité. Le volume, c'est facile, du parallélotope, bah, c'est le déterminant, on le sait, c'est la forme volume. Donc là, on a la chance d'avoir une construction qui nous donne une matrice triangulaire. Donc on a 2 fois racine de 3 fois 2 racine de 2 sur racine de 3. Donc ça fait 4 racine de 2. Et au numérateur, on met la taille d'une boule. Et ben, ça fait 4 tiers de pi. Voilà. Ben oui, parce que le rayon est 1. Donc 4 tiers de pi sur 4 racine de 2, ça fait pi sur 3 racine de 2, 4 sillimines. Et vous voyez qu'ici, on avait comme maximum pi sur 2 racine de 3. Et là, on a pi sur 3 racine de 2. C'est-à-dire environ 0,74. C'est normal, on a monté en dimension, on a forcément plus de pertes. Et en fait, en fonction de n, on a une densité qui va décroître de façon exponentielle, hein, vers 0. Voilà, en général. Donc maintenant, j'en ai discuté avec mon épicier. Et il m'a donné des arguments qui sont pas inintéressants. Je vais vous en parler là tout de suite.